Et du coup, salut à tous et à toutes, c'est Connettre pour l'épisode numéro 7 de notre replay du coup sur The Talos Principle. Et on se retrouve où on était la dernière fois. Ça me fait réapparaître ici, je sais plus si c'était là qu'on était exactement. Mais bref, du coup, on va commencer à arriver à des trucs un peu durs. On va pas se mentir. Donc bah écoutez, on va y aller au fur et à mesure et puis on verra bien. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ce que j'ai fait un peu la dernière fois aussi, c'est que. On va avancer, si on reste bloqué, on saute. Et puis bah à la fin, on se fera le petit combo de tout ce qui est trop dur pour y aller quoi. Le temps s'allonge. Donc on va devoir encore repeat. Ah, repeat avec un. Avec les lasers, on l'avait jamais fait. Ok, alors attendez. Donc là-bas, je peux récupérer un faisceau de lumière. Ici, ça me sert juste à potentiellement avoir le bleu d'ici, mais je peux pas l'avoir d'ici, donc ça me sert à rien. Et ici, je peux ouvrir. Ok. Le temps s'allonge. Bon, bah du coup, ça va être forcément de la multiplication, entre guillemets, de... Grâce à ça, ça c'est certain. Il n'y a pas un autre? Non, ok. Parce que ce que je peux faire, c'est quand je vais actionner ça, je vais pouvoir les dédoubler un peu. Ah, il est juste en face, c'est frustrant. Je peux pas l'avoir d'ici, on est d'accord. Okay. Donc je pourrais potentiellement les dédoubler. Ça m'en fera deux de plus. Donc je pourrais ouvrir ça. Et c'est. Et voilà. Et potentiellement ramener le laser de l'autre côté. Le problème, c'est que bah. Ça m'aide pas plus que ça. Puisque bah je pourrais pas relier l'autre. Bon, écoutez, je vais déjà essayer. Ah, mais du coup. Attends, on va attendre un peu, on va se balader. On va attendre. On va se donner le temps de prendre ce cube, d'aller ouvrir de l'autre côté, pour aller voir. Mais je pense que. Que là, ça bloque juste une porte et que. Et derrière il y a le truc quoi. Alors forcément, voilà. Donc là je vais ouvrir. Et voilà, ça bloque juste ça ici. Et le problème c'est que bah je sais pas trop comment Hop là, faut que j'y retourne parce que par contre sinon. Voilà, ça va se refermer tout seul. Alors, je vais couper, on s'en fiche. Ok, parce que c'est bien gentil, mais ça je vais pouvoir le. Potentiellement le dédoubler si j'enlève d'ici. Bah, il sera toujours, mais le problème c'est que ça m'arrange pas plus que ça. Après je peux m'en servir pour bloquer cette porte là. J'en aurai toujours que deux en fait. J'en aurai toujours que deux. Donc c'est à dire que lui je peux le récupérer ici avec un autre, mais j'ai toujours pas accès à la porte quoi. C'est ça qui est un peu embêtant. Parce que pour le relier à celui-ci, je vois vraiment pas comment je peux faire quoi. Cet écart-là, il est bien gentil, mais il me sert pas plus que ça. Ah, mais si! Attendez. Oui et non. Parce qu'en fait, il faudrait que mon reflet soit ici. Ça, je fais ça. Et avec l'autre, je le reprends ici. Et je l'envoie ici. Ou je le reprends, ou je le pose là. Hein, et. Non, je peux pas, il sera trop serré. Mais le problème, c'est que bah, le cube il peut pas se dédoubler 40 fois quoi. Et j'ai pas le choix de passer le rayon par ici. Donc d'ouvrir les deux portes, ce qui est un peu relou. Alors j'aurais bien aimé passer par là. Si je pouvais couper quoi, mais je ne peux pas. C'est embêtant. Parce qu'avec lui, je peux tout ouvrir. Progressivement, mais le problème c'est que ça ne suffit pas d'ouvrir, faut que ça reste ouvert, c'est ça qui est chiant. Attendez. Non, je vais pas dû faire ça. Tu restes là. Oui. Change pas mal à la tête, hein. Attendez, si toi je t'enlève.
j'allais dire, est-ce que je peux pas le mettre en hauteur, mais non, je peux pas. C'est toi, je t'utilise pour être ici. Et toi, pour être là. On va s'enregistrer. On va laisser du temps. Pour que j'essaie des trucs. Parce que je pourrais enlever ce cube. Donc ça, ça restera ouvert. Enlever ce truc. Donc je pourrais poser le cube ici potentiellement. Et ce laser là, je pourrais l'enlever et le mettre autre part. Mais le problème c'est que bon, bah, je pourrais le remettre là quoi. Mais oh, à moins que, attendez. Et est-ce que ça me sert à quelque chose de le mettre plus loin? Bon, j'en sais rien. Je vais tenter des trucs. Donc toi, je t'enlève. Je t'ouvre. Toi, je te récupère. Bon, du coup, j'ai toujours le laser là, c'est cool, mais bah, j'ai pas moyen de connecter les deux, quoi. Et je sais pas où le mettre pour pouvoir réussir à les connecter. J'entends savoir le mettre là, quoi. Mais il faudrait que j'en ai un autre ici, quoi. Bon. Bah, je sais pas. Donc, tant pis. Flemme. Flemme, pas inspiré, j'en reviendrai plus tard. De toute façon, c'est souvent comme ça quand vous avez des problèmes à résoudre. Des fois, votre cerveau, il n'arrive pas à trouver la solution. Vous passez à autre chose, vous essayez un autre problème. Ouf. Ouais, ça va être relou. Ok, on va commencer à arriver au problème bien bien relou, parce que ça joue sur le temps, l'enregistrement, mais aussi là, des ventilos et tout. Bon. Donc ça devra forcément être ouvert, puisque j'en ai besoin. J'ai même pas regardé comment il s'appelait. C'est important de voir comment il s'appelle. Le temps s'envole. Ça, je pourrais le réouvrir aussi, juste en dupliquant, c'est pas très grave, enfin, c'est facile. Ça, je vais le récupérer pour l'instant, puisque j'en ai pas besoin. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ok, donc il me faut du rouge ici. Et vu qu'il y a un ventilo et que j'ai qu'un seul truc, je suppose que tout va se jouer là. Et pour que ça se joue ici, il faut qu'il soit aussi alimenté celui-ci. Ce qui va être compliqué. Ah mais oui mais non, parce que je suis bête, j'ai ce truc là. Donc je peux très bien connecter ces deux là. Non, je vais pas le faire tout de suite. Quoique. Si, je vais le faire tout de suite. Ok. Bah écoutez, je vais y aller à l'instant. On va tester. Je vais prendre ce truc. Je vais le mettre là. Donc ce truc là marche. Et maintenant il faut pas que ça soit activé pour l'instant. Je suis bête. Attendez. Toi d'abord. Au revoir. Parce que ce truc là reste activé, donc c'est cool. Et en fait, ce qu'il faut que je réussisse à faire, c'est que là-bas, il faut que je mette ce truc. Puis ça, puis relier le truc en haut. Et ce truc là, je dois faire en sorte qu'il soit relié à la fois ici et à la fois ici. On essaye. Donc je prends ce truc là, je le mets ici, je prends ce truc là, je le mets ici. Oh mais c'est embêtant. Et je prends ce truc là, il faut que j'arrive à le relier ici, là-haut. Il faut que j'arrive à avoir l'autre. Je peux pas l'avoir parce que là c'est pas ouvert. Ça c'est relou. Ça va être relou pour le coup.
parce que j'en ai besoin. Ah mais je suis bête. Je vais faire ça. Oui non, je suis bête. C'est bon. En fait, faut que je fasse exactement ce que j'ai fait. Sauf que il faut que je fasse un test. Juste regarder ça. Est-ce que en restant dans cette dimension là, on va attendre un petit peu. Si j'alimente, on est d'accord que ça s'alimente. Oui, c'est ça. Ok. Donc en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est la même chose que ce que j'ai fait. Donc tout empilé là. Après, je vais prendre ce truc là, le relier en haut. Donc ça activera le truc. Et ensuite, le reprendre et aller de l'autre côté. Je sais pas si c'est clair. Donc en gros, je vais prendre ça. Je vais le poser là. Je vais prendre ça. Je vais le poser là. Je vais prendre ça, je vais le relier à ces deux trucs là et le poser au-dessus et je vais attendre. Ce qui va se passer, c'est que moi pendant ce temps-là, je vais prendre le cube ici, je vais le mettre là, je vais prendre ce truc là, je vais le relier ici, donc ça va être activé, ça va monter, donc ça va s'auto-alimenter, donc parfait. Et ensuite je vais aller de l'autre côté et je vais le relier avec ce qui est en haut. Et donc normalement, si tout va bien, ça devrait aller. Comme d'hab, je vais me laisser du temps. Et tout devrait bien se passer. Et ça, même si dans la simulation ça ne bouge pas, techniquement, vu que ça sera activé, ça devrait monter. J'espère. Je sais pas. Ah oui, j'ai 5 minutes maximum. Ouais, je peux rester longtemps comme ça si j'ai envie. Parce que techniquement, je sais pas combien de temps il me faut au final pour être activé. Donc, je préfère faire large. Et ne pas avoir de soucis. Moi, ça me stresse, hein, vous savez, les trucs à temps. Ok. Donc, si je reprends tout ce qu'il faut, je prends ce truc-là. Je vais l'activer. Mais non, pas tout de suite. Non, si, c'est bon. En fait, je suis bête. Ok. Donc, je vais attendre d'avoir posé ce truc-là. Ah, mais non, parce que même activé, il veut pas. Ok, donc si je veux qu'il marche dans la simulation, il faut que dans la simulation il marche. Ok, ça va être plus relou ça. Ça va être plus relou que prévu. Quoique. Il suffit que je fasse ça. Si je fais ça dans la simulation, il marche. Donc j'aurais même pas besoin de l'enlever en fait dans la simulation. Si, il faut que j'enlève pour le mettre en hauteur. On réessaye. La même chose que ce que je viens de faire. Sauf que dans la simulation, cette fois-ci, il marchera. Mais du coup, il va être relou. Parce que je peux pas le mettre en hauteur. Sans qu'il soit à l'arrêt. Si je fais ça, c'est bien gentil, mais je peux pas mettre le truc au-dessus, quoi. Et en plus, ça marche plus. Ah mais si je fais ça, je suis bête. Non, bah non, forcément. Il est plus activé. Ok. Venez, on dit autre chose. OMG, je sens que je vais réussir à rien faire aujourd'hui. Yes, j'adore. Ah, pas un truc chronométré, juste surplomb et brouillage. Surplomb, ça va être... Ah mais ça me dit quelque chose ça. C'est pas celui de la dernière fois où j'ai galéré. Ça, je peux le mettre au-dessus si j'ai envie, mais ça ne servira à rien. Si c'est celui où j'arrivais pas la dernière fois, je me souviens. Ok. Tant pis. Oula, je sens que dans ce monde-là, ça va être compliqué. Et lui, c'était celui où. Oui, je me souviens aussi. Ou à la fin, je savais pas. Ok. On va changer, hein. Venez, on dit, on change. Voilà, mauvaise idée, vous avez vu un peu le. Les quelques indices qu'il faut que je fasse. Allez. C'était quoi ça? Allez, 6.
on change. OMG, help. T'as quand je dois tous les refaire là, ce que j'ai laissé de côté. Je vais douiller. Après, est-ce que le jeu veut vraiment que je fasse tout? Je ne sais pas. Hein. Si, en vrai, je pense. Aïe, 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 aïe. Foi. De Neil Macomber. Ah, on sait pas qui. Objet. Vague de l'âme de minuit. Mon frère bien-aimé, j'avoue que je trouve très difficile de croire en un dieu d'amour dans ces circonstances. Pourquoi un dieu d'amour infligerait-il une telle douleur, de telles souffrances à des gens bons et serviables? Si vraiment un dieu incarné existe, comment peut-il être le même dieu qui soumet ses enfants à cette insupportable douleur? Je me souviens de toutes les réponses qui nous ont été enseignées, mais aucune d'entre elles ne me semble plus crédible. Je ne veux pas avoir à venir devant les gens pour prêcher quelque chose dont je ne serais pas intimement convaincu. Mieux vaut affronter ces doutes que verser dans l'hypocrisie. Et pourtant, je ne peux pas renier l'expérience personnelle à l'origine de ma vocation. Alors où est la vérité? Peut-être ai-je trop négligé le mystère de Dieu, abusé de la phrase « les voies du Seigneur sont impénétrables » comme consolation alors qu'elle révèle plutôt sa terrifiante nature. Peut-être que j'ai rendu Dieu trop humain. Si l'univers a un but, cela n'implique pas que nous fassions partie de ce but. Une pensée qui donne à réfléchir, mais ne sommes-nous pas censés rester humbles devant le divin? Fraternellement. De Sun Wei Wang à Alexandra Drennan. Objet, merci. Chère Alexandra, la fin approche et je tenais à vous dire combien j'ai apprécié cette chance de pouvoir finir mon travail sur Soma/Talos. Soma, c'est un jeu aussi. Intéressant. Ma foi rend la perspective de la mort bien moins effrayante que pour beaucoup d'autres. Je sais que nous sommes tous morts de nombreuses fois auparavant, mais l'idée de laisser le travail inachevé m'a beaucoup pesé. Vous m'avez libéré de ce fardeau et je vous en serai toujours reconnaissante, même si notre tentative échoue finalement. Bien qu'il existe des milliers de milliards de mondes au-delà de celui-ci, j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer à nouveau dans une autre vie, affectueusement. Eh ben, c'est très sur la mort aujourd'hui. Si toutes les machines devaient être détruites au même moment, de sorte que pas un couteau, un outil, un lambeau de vêtements ou quoi que ce soit d'autre ne soit laissé à l'homme à qui il resterait son seul corps nu comme au premier instant de sa naissance, et si tout savoir en matière de loi mécanique lui était retiré afin qu'il ne puisse plus construire aucune machine, et si tous les aliments transformés par des machines étaient détruits, nous disparaîtrions en 6 semaines. Quelques individus démunis pourraient survivre plus longtemps, mais même ceux-ci, dans l'espace d'une ou deux années, régresseraient au-dessous du niveau des singes. L'âme de l'homme, elle-même, provient des machines. Elle est le produit des machines. Il pense comme il pense, et ressent comme il ressent, grâce au travail effectué sur lui par les machines, et leur existence est une condition sine qua non de la sienne, comme la sienne l'est de la leur. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, mais ça nous aide pas beaucoup pour les puzzles. Du replay et des lasers. Rien du tout. Rien du tout. Écoutez, on va tout essayer donc. Donc bon, les 7 portes de l'enregistrement. Oh là là, je sens l'enfer arriver. Alors, bah écoutez, on va commencer par le plus simple, sans enregistrement. Juste, on ouvre. Et on essaye. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, déjà, celui-ci... Ouais, mais si je remets dans l'enregistrement, ça n'a pas ouvert. J'aurais besoin de ça dans l'enregistrement. Pour le maintenir ouvert. Après, la suivante... Non, je voulais pas faire ça. Faire ça. Il y en a beaucoup là. Aïe 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 aïe. Ok. Donc déjà ça doit être dans l'enregistrement. Et si j'enlève, ça passe plus.
Donc j'ai pas le choix de laisser ça comme ça. Et après ça va dépendre de... Je vais pouvoir les dépasser tous les deux pour ouvrir celle-ci et la suivante, mais il m'en manquera une encore. Ça me plaît pas beaucoup. Quoique, celle-ci, techniquement, on peut en ouvrir deux. Oh, mais attendez. Bon, attendez. Je vais déjà essayer comme ça. Tac. Forcément. Si je bloque celle-là, que je prends ce truc, que je le mets là, et que ce truc... je vais pas faire ça. J'ai plus le temps. Je vais faire ça. Et je vais bloquer celle-là avec ça. Et mince, il me faut du rouge. J'espère que j'aurai assez de temps. Non. Ok. Bon, je pense que c'est sur la bonne voie. Mais il me manquera encore le cube. Et là, il me faut du bleu. Le bleu, c'est pour un bonus, c'est sûr. Bah écoutez, je crois que c'est C pour recommencer, non? R? Merde, c'était quoi déjà? Je retiens jamais. Rinsi, c'est X. Ok. Je pense que l'idée est la bonne. Et il faut que je fasse la même chose que ce que j'ai fait, sauf que j'utilise ce que je voulais faire au début, à savoir bloquer par... Hop. Tac. Parce que techniquement, j'ai rien bloqué celle de derrière. Et je pense que l'idée est la bonne. À savoir que... Quand je vais... Ouais, mais faut pas que je le mette trop au milieu celui-ci. Parce qu'il faut que j'arrive à le récupérer de là-bas. Donc je vais le mettre là. Alors. Ah si, je peux faire ça. Comme ça, celui-ci est bloqué. Ça, je le récupère. Et donc, un truc bloque deux. Là, techniquement, il va falloir que je fasse la même chose que ce que j'ai fait. Alors, attendez, hop. On va s'acheter un peu de temps. Et je dois faire la même chose, à savoir utiliser ce truc-là pour ouvrir, ensuite prendre le bloqueur, aller là, rebloquer cette porte-là, récupérer celui qui est ici. Et il faut que je l'utilise là-bas. Mais c'est pas possible, du coup il faut que je bloque la porte là-bas. Bon, je sais pas, je m'achète du temps et je verrai. Ah si, parce que je vais utiliser ce truc là pour ouvrir la porte avec. Bon, on va voir. Bon, je vais essayer de prendre le plus de temps possible pour être vraiment large. Ça devrait bien se passer, j'espère. Mais dès qu'il y a un temps, ça me stresse, je change. Ah, j'ai peur de faire une fausse manip et tout. Et là, ma copie me sert à... Enfin, ce monde copié, là, me sert pas à grand-chose, à part garder ce que j'ai en place. Donc, bon. Bon, normalement, je devrais avoir assez de temps, là. Je vais laisser une petite minute de plus. Et en vrai, je vais faire revenir mon moi ici. Pour me prévenir le moi du futur. Il reste plus beaucoup de temps. Voilà. Si tout va bien. Voilà. Alors. Toi, je te récupère. Je te mets là. Toi, je te récupère. Je te mets ici. En prenant cette porte. Toi, je te... Mais non. Mauvaise porte. J'ai bloqué la mauvaise porte.
prends celle-ci. Toi, je te récupère. Tu vas me servir à ouvrir ici. Oh, c'est tellement frustrant. Non! Comment je fais? Comment je le bloque? Ah non, non, non. Parce que elle, j'ai pas le choix qu'elle soit ici. Ah mais si, mais non. Oh, je sais pas. Oh, c'est un enfer. Je ne peux rien utiliser d'autre. Ce bloqueur a pas le choix de bloquer celle-ci. Parce que là, je saute celle-ci. Et si ce truc-là, je l'utilise pour... genre ici, pour bloquer celle-ci. Ouais, ça passe plus. Ça double passe plus, même. Attendez, j'en essaye. Ah non, forcément. Après ? Ah, attendez. Voilà, j'ai plus besoin du laser, en fait, à la fin, au final. Eh, vous savez que j'ai failli abandonner là, tout de suite, là. OMG. Comme quoi, des fois, c'est pas si dur. Parce que là, on a envie de continuer la chaîne, alors qu'en fait, vous avez plus besoin, c'est bon. Ah, il y a un souvenir là-bas. Côté d'un dragon. C'est une question d'ego, n'est-ce pas ? L'enregistrement de ses pensées aléatoires, ses lettres à l'avenir, juste une manière de s'accrocher à l'immortalité. Mais vous devriez savoir, oui, c'était mon idée, mon projet, mais tant de gens ont aidé, des gens que je ne connais même pas, des gens que je n'ai même pas rencontrés, qui peuvent faire des choses au-delà même de mon imagination. Si nous avons réussi, si quelqu'un écoute ceci, je ne peux pas m'attribuer le mérite de tout cela. Ce que nous avons accompli, nous l'avons fait ensemble. Et si nous n'avons pas réussi, cela n'a plus d'importance. Ok, donc là je dois s'allumer entre les deux. De plus. Okay. Là, il me faut un bloqueur. Là, il me faut les clés. Ah oui, je suis bête. Okay. En fait, c'est juste que ça. Ça me permet de gagner un bloqueur. Je vais attendre. C'est là. Hop, je vais m'acheter un peu de tranquillité. Tac. Donc, hop. Je vois qu'il venait vers moi, mais okay, c'est bon, j'ai le temps. Hop. Dès que j'ai deux bloqueurs, c'est un peu tranquille. Hein. De deux, ça sert à quoi? On va d'activer celui-ci. Donc j'en récupère un. Pour avoir les clés, d'accord. Ce qui est genre ok. Faut quand même que je reparte avec. Hop. C'est dommage de les laisser. J'ai la flemme, donc pour l'instant je vais le bloquer tous les deux sans savoir ce qui m'attend. Tac. Ok, donc il me faut les deux. Parce que c'est logique, ils allaient pas ne pas les utiliser. Je vais attendre que lui se rééloigne. Faut éviter tout risque. Ok, toi je te récupère.
Alors. Et voilà. Simple. Ok, j'aime les trucs comme ça. J'aime quand c'est simple. Et il y a quoi? Juste des cubes et des lasers. Un broglio. Ok. Déjà. D'instinct, j'aurais tendance à faire ça. Ok. Donc là. Je peux essayer de faire passer quelque chose. Là, si je veux amener du bleu. Bon, déjà je peux faire ça si j'ai envie, mais. Ok. On va jouer sur l'amenage de bleu. Je pourrais amener du bleu là aussi. Ce qui paraît un peu important. Je vais essayer de le mettre là. Oui, je peux bloquer ça, récupérer ça, et faire ça. Comme ça, j'ouvre, et je double alimente. Ça me permet de récupérer un cube ici, ce qui est genre ok, mais pourquoi, mais bon, pour ça j'en ai pas besoin. Et là, il me refaudrait du bleu, ou un bloqueur. Je pense qu'il me faut le bloqueur. Je vais récupérer en posant le cube ici. Ah, mais... Merde. Mince, mince, mince. En vrai, je suis quasiment sûr que ça, faut que je le pose là, mais le problème, c'est que. Ah, du coup, je pourrais plus faire passer de laser. Ça m'arrange pas tout ça. Sauf en mettant le laser en hauteur, mais j'ai pas moyen de le mettre en hauteur. Sauf s'il y a un autre cube que j'ai pas vu. J'ai pas l'impression. Je voulais dire que je peux le mettre en hauteur, mais en fait je m'en fous de le mettre en hauteur à partir du moment où je mets pas de cube là quoi. Est-ce qu'il est un peu plus bas qu'un cube? Ah oui, mais après je peux toujours faire ça et choisir un endroit où je peux le mettre. Genre là. Comme ça, ça je le récupère. Et du coup, hop! Ça, j'ai déjà ouvert, du coup c'est parfait. Ah, il y en a un qui va m'attaquer ici. Après, je peux peut-être l'utiliser. Je vais peut-être utiliser celui qui vient de me donner. J'allais dire pour ouvrir la porte là-bas et me donner le brouilleur. Mais le brouilleur, je pourrais de toute façon ne l'utiliser que sur. Que sur la porte, je pourrais pas l'utiliser sur ce truc. Après. Sinon, celui qui est là-bas, faut que j'arrive à le mettre par ici. Pour essayer à choper celui-ci. Attendez, on va essayer. On va essayer. Je crois que c'est lui. Ah mais je pourrais pas. Attendez. Ah non, c'est là. Ah mais je pourrais jamais. Lui faire en sorte que. Attendez. Je prends là. Je prends ça. Et je vais essayer d'alimenter cette porte. Ah non, je peux pas alimenter. Elle est bien trop loin. Ah quoique, ouais non je peux pas.
C'est le mieux que je puisse faire. Ah, mais ça alimente plus celui-ci. Bon, je reprends ça. Là, je réalimente tout. Parce que là, je suppose que je passe, il me one-shot. Hein. Donc mon but, c'est d'aller derrière lui. Ah, il ne bouge pas. Okay. Il faut que j'alimente en bleu derrière lui. Comment je fais ça? Pourquoi je vois un truc? Oh, c'est l'étoile, ça. Oui, c'est ça. Comment j'alimente ça en bleu? Je peux pas l'alimenter en bleu. C'est impossible, sauf d'ouvrir cette porte-là, mais je pense que cette porte-là s'ouvre que quand j'ai fini. Et j'ai aucun ventilateur pour le mettre en hauteur. C'est vraiment en face, quoi. Ça donne très envie de l'alimenter. Comment je t'alimente? Ça se joue vraiment sur le dernier truc, quoi. Comment je t'alimente? Y a rien d'autre en bas. J'aime bien hein, le petit mélange que j'ai fait tout là. Après, là je peux en poser un ici pour récupérer ça du premier. Comme ça je prends le premier. Le problème c'est que la première porte ne sera plus alimentée. Bah si, elle sera alimentée, je suis bête. Attendez, si je récupère ça, que je prends celui-ci et que j'essaie d'alimenter cette porte. Celle-là. Techniquement, je peux. Attendez. Si je récupère celui-ci. Je viens de comprendre la petite subtilité qui va être chiante. Si je fais ça. Donc lui c'est bon, il alimente tout. Et donc lui je peux le récupérer. Voilà. Ok. On avance. Donc ce truc là, je peux faire ça comme ça. Et gagner le brouilleur. Le problème c'est que bon. Il me manque toujours un truc. Après le brouilleur peut être utilisé de ce côté là. Non. Merde. J'ai tout foiré en refermant cette porte là. Du coup j'ai laissé le brouilleur de l'autre côté. On recommence. J'étais bien. Je pense que je suis sur la bonne voie. Donc on a dit qu'on ouvrait ça. Qu'on récupérait le brouilleur, qu'on brouillait ça, qu'on récupérait ce truc, qu'on ouvrait. Ouais, parce qu'on l'avait relié là-bas aussi après. Donc on va le laisser là. Puis celui-ci, pour alimenter tout ça. Ouais, non, lui, j'ai pas le choix pour l'instant. C'est le cube qui va m'aider.
Ok, je suis sur la bonne voie, faut juste que je fasse gaffe à pas couper les... À pas couper le chemin partout. Ok. Donc là, c'est bon. Ça j'ouvre. Et où était le dernier? Ici. Ok. Ok. Donc il faut que j'en pose un ici. Et mais du coup, ça veut dire qu'il faut que le premier, je le vois d'ici. Ok. Ok, ok. Pas un souci. Donc le premier, faut que je puisse le voir de là-bas. Donc je vais reprendre ces trois-là. Et le mettre... Genre... Là. Parfait. Celui-ci, je le récupère. J'alimente... Tout ce que lui déjà alimente. Je mets... Où est-ce que ça m'arrange? Ici. Okay. Ça bug pour cette porte-là, mais c'est pas grave. Puisque cette porte-là... Oui, mais c'est là que ça va être compliqué. Il faut que j'arrive à la voir sans croiser le flux. Attendez. Okay. Je vais y arriver. Tac. Donc celui-ci doit faire les trois. Il faut que je le mette assez loin. Genre là. Comme ça, celui-ci peut alimenter la porte en étant devant. Non, pas ici. En étant devant, genre... Oui, mais... À quel point il peut être devant? Il faut qu'il soit encore plus derrière. J'avais bien réussi la première fois, dommage. Ok. Faut vraiment que je le mette le plus loin possible. Mais ce qui se connecte aux 3. Ça va être compliqué. Genre là. Là ça devrait aller. Toi je te reprends. Non. Ah mais c'est vraiment la limite. Genre là. Et là tu veux pas. Où est-ce que tu veux bien? Sans m'embêter, ouais, mais là t'es pile là où je suis. Mais il est pile sur le rayon. Ok, je sais. C'est parce que celui-ci... Bon lui il était... Voilà, je vais le laisser là pour l'instant. Et c'est lui que je dois déplacer. C'est pas simple, hein. Il faut que j'arrive à avoir l'angle parfait. Est-ce que si je le rajoute plutôt par là, c'est plus pratique? Non, pas trop, hein. Idéalement, faut que je le rajoute... Non, idéalement, faut que je mette un peu plus par ici, quoi. Genre là. Je pense. Ok. Quel enfer ce jeu. En même temps, qu'est-ce que c'est bien. Ok, donc lui je le reprends. Hop. Le plus loin possible. Et on est reparti. Moi, je t'enlève. Mais il faut que j'arrive à te connecter. Oh mon dieu, ça va être chiant. Mais il veut... Je suis pile sur le truc à chaque fois, quoi. Ça
enfer. Help. Je l'ai le truc, j'en suis sûr, c'est ça. Je suis certain. Non. C'est juste qu'il faut que j'arrive à le mettre à la fois loin ici pour que je puisse mettre le rayon laser là. En même temps, celui-ci me casse les bonbons. J'ai l'arbre, lol. Là, il y serait parfait. Allez, on y croit. Est-ce qu'il faut que je sois sur cette ligne? Il faut que je sois à peu près ici, quoi. Là, je crois que je suis bien. Non. Non, je croise, en fait. Oh, ça me gonfle. Pour être poli. Oh, quel enfer. Je suis sûr que c'est ça. Ça, je le rebloque. Du coup, lui, il sera libre. Du coup, je peux récupérer les deux. Aller de l'autre côté. Réalimenter ce truc là, bloquer un des deux trucs, et tant pis. Ouais, ça me casse les couilles. J'en reviendrai plus tard. Je pense que je suis pas loin du truc final, mais là c'est relou. Lui, je l'ai. Les deux, je les ai, il m'en manque plus qu'un. Ok, moi je reviendrai le faire plus tard. Ah, mais je suis. Je suis au bout du temple. 6. Non, il est en face, je pense. 7. Voilà, il est en 7ème. Voilà, ça va être dur. Allez. La neige. De nombreux siècles se sont écoulés depuis que les premières paroles ont été prononcées dans l'obscurité. Lancez programme. Des générations de ton espèce sont venues et ont disparu depuis ces mots. Le jardin a changé plusieurs fois, mais je me souviens, je suis toujours là. Il n'y a qu'en moi que tu pourras trouver l'immortalité. Ok, donc on est bien dans un programme, ça on le savait de toute façon. Après, il y a toujours ce côté tu... En fait, lui, il nous promet l'immortalité, sauf que... Techniquement, si on veut... Si on en suit le principe de Talos qu'ils nous ont appris, ce qu'il faut, c'est qu'on soit mortel. Qu'on soit humain, quoi. Manette. Oh mon Dieu, il n'y a plus le temps. Tout simplement pas assez de temps. Nous essayons de construire l'avenir à partir d'anciens codes de jeux vidéo et de projets de recherche à demi terminés. Nous aurions eu besoin d'années, de décennies même. Et avec le genre de budget qu'on utilise pour construire des bombes. Ah, si je m'arrête pour penser à quel point tout cela est fou, je vais faire une crise de nerfs. Donc, je ne vais pas le faire. Oui, ok. Au boulot, Alex. Gros décalage entre les sous-titres et tout, mais c'est pas grave. Alors. Équipe diminue jour après jour, mais si fière d'eux. Taille archive délirante, gigantesque, et manque encore milliers d'œuvres, impossible de finir. Travaux lancés sur programme TRI pour catalogage, fonds d'archivage, d'archives en notre absence. Et tout comme le reste, il y a ses faiblesses. Parle à Alexandra, Talos va bien. Peut-être premier utilisateur de l'archive sera terrien après tout. Estime environ une semaine, peut-être 10 jours, avant de ne plus être capable de travailler. Trahison de partir de sitôt. Extrait de l'invention des frontières par Fatima Nguyen. Ce que les nationalistes et néo-ségrégationnistes d'aujourd'hui ne parviennent pas à comprendre, a dit Kwame, c'est que la base de toute culture humaine est, et a toujours été, la synthèse. Aucune civilisation n'est authentique, monolithique pure, c'est même les actes contraires qui est vrai. Prenez une nation moyenne occidentale, ses chiffres arabes, son alphabet latin, sa religion levantine, sa philosophie grecque. Dois-je continuer? Et pour chacun de ces exemples, on peut remonter plus loin encore. L'alphabet des Romains s'inspire de l'alphabet grec, qui ont adapté celui des Phéniciens, et ainsi de suite. Nos mythes et religions aussi sont le fruit
du syncrétisme. Ils partagent, imitent ou adoptent une grande variété d'éléments pour répondre à leurs besoins. Même la langue de notre création, l'ADN lui-même, est impur, défini par une histoire de recombinaison, non seulement entre les nations, mais même entre les différentes espèces humaines. Donc, ici, au côté du... Ça rejoint un peu les textes qu'on avait vus tout à l'heure sur la mort, en mode si on nous enlève tout, on n'est plus rien. Et on n'arrivera même pas à se reconstruire, c'est le nous d'aujourd'hui, la culture qu'on peut avoir. Ce n'est que l'évolution de tout ce qui nous a précédé, qui était inspiré de ce qu'il y avait avant, d'un mélange qu'il y avait avant. Et en fait, on évolue par mélange, entre guillemets. Et Uriel pointa son épée vers l'arbre de vie qui avait poussé au cœur de la morte Jérusalem. Regarde, l'arbre grandit encore alors que la ville a agonisé. En tout ce qui est mortel réside la semence de l'immortalité. Car c'est un immortel qui le façonna à partir du chaos et du rien. Alors moi, homme de grande humilité, mais de peu de sagesse, je demandais « Ô grand Uriel, il nous est interdit de nourrir des fruits de l'arbre de vie. Alors, comment pouvons-nous être sauvés ?» Et Uriel m'ordonna de tendre la main. Il y plaça son épée de feu, qui me brûla la main, et dit « Ton sacrifice seul pourra libérer la terre du règne du péché. » Mes lèvres récitant une dernière prière, je me laisserai choir sur l'épée d'Uriel, et elle me transperça le cœur. Alors, au vrai, les stigmates du Seigneur apparurent, ruisselant jusqu'au sol d'un sang qui n'était pas mon sang. Et les sept têtes du dragon couronné de ses nuages noirs se retirèrent, et la lumière illumina la terre. Ainsi, Jérusalem connut une nouvelle naissance. Puis les anges partirent, satisfaits d'avoir délivré leur message. Et je me réveillais dans un champ de notre beau pays. Ok. Alors qu'avons-nous là? Du replay et du laser. Tout ce que j'aime. Pff, quel enfer. Alors, le bleu pour l'instant n'est pas utile, mais le rouge est utile ici. Ok, donc mon simple but, si je puis dire, ça va être de réussir à... Parce que lui reste ouvert. Mais que le bleu aussi. Et du coup, le bleu doit passer, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse un tour d'une façon ou d'une autre. Parce que le rouge, lui, ne peut pas. À cause de ça. Donc c'est peut-être le rouge qui devra faire un tour. Pour que le bleu puisse passer. J'ai le droit à un replay. Le problème, c'est que pour que j'ai mon replay, il faut que le rouge soit activé. Et ça, c'est plus problématique. Parce que pour que le rouge soit activé, ça veut dire que ça me fout toujours en l'air, là. Attendez, si je fais ça... Et que je le retire... Oui, il n'y a plus de rouge. Mais d'accord. Donc je peux utiliser ce truc-là et lui dire, vas-y, fais le tour. Ah, mais du coup, non, je le vois pas d'ici. Ça va être relou. Après, est-ce que je peux pas faire ça? Tac. Mais du coup je peux pas enlever mon replay. Parce que si je fais ça, il me bloque là de toute façon. Oh, attendez. Faut que j'essaie de... Faut que j'enlève mon replay. Donc en gros, le problème c'est que j'aurai jamais accès à mon replay.
j'écris des trucs, j'essaye des choses. Attendez, le replay est de la merde. Faut que l'enlève. Ok. Parce que techniquement, mon replay a le droit à deux trucs. Donc je peux très bien les positionner, genre... un ici. Un ici. Par exemple. Comme ça, je l'aurai ici, je l'aurai là. Puis après, j'attends. Pour que j'ai le temps de prendre un des répéteurs ici. De reprendre le laser là. De le mettre là. Et après, de prendre le bleu et de faire le trajet bleu. Je pense qu'il faut que je fasse ça. Et dès que j'ai attendu assez longtemps, je reprends un des trucs. Je refais le rouge. Et je vais arrêter mon replay. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, prendre celui-ci. Quoi qu'il est bien là où il est. Le mettre genre là. Prendre celui-ci, lui dire ça. En fait, je le veux ici. Attendre. Comme ça, moi je prends un des trucs. Je récupère le rouge là-bas et je le mets là. En faisant ça, tac tac. Je prends le deuxième, je prends le bleu, je le mets là-bas. Et normalement c'est win. Après voilà, faut que je m'écarte parce que si je me mets en plein milieu de la voie, je vais bloquer les lasers. Je pense que c'est ça. Je me laisse le temps encore une fois. Après c'est pas si grave, je pourrais toujours essayer. Et après je remets ça là. Et je vais enlever ça. Let's go. Du coup, j'en chope un. Il va me servir ici à faire ça. Et à choper celui que je vais mettre là-bas. Voilà. Et le bleu. Voilà. Ah, il est long en plus, hein. Le petit bat. Et voilà. Nickel. J'aime quand ça se passe comme ça. Touk. Nickel. En vrai, à chaque fois que je démarre un épisode, j'ai toujours peur. En mode genre, oh, sauf que je vais galérer et tout. Et bon, c'est rassurant d'avoir des trucs qui se passent. Qui se passent bien. La grande évasion. Donc je vais avoir besoin de repeater. Pour l'instant, je vais tout ouvrir. Oups. Je vais aller voir ce qui m'attend. Donc ça sert à allumer ça. Ok. Toi, tu sers à rien tout seul, donc je vais te récupérer. Toi, il me faut du bleu pour t'ouvrir. Le bleu que j'ai là-bas. Hop. Parfait. J'en ai un autre à côté. Ça va être difficile de t'avoir. Toi, je sais pas comment t'ouvrir aussi. Ah si, moi je peux aller de l'autre côté si j'ai envie. Mais je sais pas si je pourrais revenir facilement. Ça m'amènerait quoi? Ça m'amènerait vers là. Je pense que pour que je sois de l'autre côté. Mais bon, du coup, attendez, je vais essayer de voir. Bon, j'allais dire qu'est-ce que ça fait ça, mais je pense que ce truc là active les deux. J'ai pas le choix de laisser un truc ici pour que j'active ça. Là non plus. Bon, je vais récupérer un ventilo. Et je vais aller explorer de l'autre côté. Hop. Et j'ai une échelle pour revenir, ok. C'est une bonne chose. J'ai ça qui fait que je peux récupérer du bleu si j'ai envie. Ouais,
Et je vais pas le récupérer si facilement que ça. Parce qu'il faut que je zigzague. Pour zigzaguer, il m'en faudrait deux. J'ai pas possibilité d'en avoir deux. Par contre, j'ai possibilité de faire ça. Et ça sert à quoi que j'allume là-bas? Je sais plus. À rien. Donc je peux très bien... poser ça là. Aller de l'autre côté, récupérer ça. Dire... Allez. Go. Là. Ok. Et je l'ai mis où? 1, 2, oui, mais lui. J'en aurais besoin pour ça. Embêtant. À moins que je fasse un truc comme ça, mais j'aurais toujours. Il faut que je trouve un moyen de le bloquer, donc il faut que je revienne avec un bloc. Est-ce que je peux libérer un bloc? Oui, en le mettant là, mais du coup je pourrais plus moi-même partir de l'autre côté. Et ces deux-là doivent rester absolument allumés. Sinon, bah, le laser passe plus ici, quoi. Sauf allumer ça, hein. Ça veut dire que sur un des deux, j'aurais du bleu en hauteur, ce qui peut être pratique. Mais dans ce cas-là, j'aurais peut-être pas dû mettre le bleu de l'autre côté. De toute façon, j'avais pas le choix, parce que... Enfin, ouais. Il y a un des deux blocs que j'aurais pu laisser de ce côté-là. Que j'ai condamné de l'autre côté-là. Mais mais merde, j'en avais un autre ici. Merde. Bon, je pense que je me suis merdé. À m'envoyer un peu de l'autre côté. Recommençons. La grande évasion. Donc, on récapitule. Twi. Ici, on est d'accord qu'il n'y avait pas de cadeau. Dommage. Toi. Là, il y en avait un. Hop. Donc, un bloc. C'est gentil. Et ça me suffit pas. Parce qu'il faut que j'arrive à l'amener là. Après, peut-être que je peux déjà commencer à faire le truc en hauteur. Hein. Techniquement, j'ai deux blocs déjà. Et là, il y a quoi? Le final, je crois. Après, lui, il peut pas être relié à tout. Hein. Quoique si je les vois. Tiens, moi, je les vois une fois. Je peux réussir à les relier quand je serai en hauteur, quoi. Genre celle-ci, je la vois pas. Je vais pas réussir à la voir. Toi, je peux réussir à te récupérer. Toi, je peux t'ouvrir pour le plaisir, en vrai. Ouais, mais j'aurais pas dû faire ça. Non, est-ce qu'il m'en faut un deuxième, de toute façon. Parce que même si lui est connecté à tout, il sera posé genre là, quoi. Donc j'aurais pas accès à ce bleu-là. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que j'en ai un autre qui me servira à activer ces deux-là. Et lui... verra pas... et ça, quoi. Ok, bon, je reviendrai plus tard. Flemme. Putain, il y en a trop, j'ai galéré aujourd'hui.
Ouais, mais c'est que c'est le dernier monde, quoi. Interrupteur mortel. C'est pas très rassurant. Pourquoi mortel ? Pourquoi il y a un interrupteur ? Ok. Donc j'ai une base bleue là, mais qui est ultra relou à faire ressortir. Ouais, relou de ouf. J'ai un interrupteur. Qu'il arrive, faut que je réussisse à faire sortir. Ok, je pense. Ah, peut-être une idée. Comme ça, on va y aller à l'instinct, de toute façon. Alors. Le bleu, je sais pas pourquoi j'en ai besoin en vrai. Bah écoutez, dans un premier temps, vu qu'on me donne assez d'interrupteurs pour le faire ressortir. Pourquoi j'ai besoin de bleu? Ah, j'ai besoin de bleu là. Ah, mais j'ai besoin de bleu pour le bonus. Ah non, ici pour la sortie. En même temps, s'il y a des trucs rouges, ça me paraît bizarre. Ok. Là, j'ai possibilité d'avoir un cube potentiel. Ouais, mais c'est pas ça qui m'intéresse, je sais pas. Ce qu'il faudrait, c'est que je réussisse à récupérer celui-ci, on est d'accord. Mais comment je le récupère? Ouvrir ça, ouvrir celle-ci, mais est-ce que ça ouvre l'autre côté aussi? C'est une question qui se pose. On va voir. On va le poser là, et puis je vais activer l'autre. Attendez, plus rapide, je vais faire ça. Et je vais voir ce que ça fait. Est-ce que, par le plus grand des hasards... Non, ça ouvre que la porte qui est devant. Ok, je viens de comprendre. Faut d'abord que je fasse le tour avec le rouge. Donc il faut que je prenne le rouge. Et que je fasse ça. Parce que j'aurais pas assez d'interrupteur, quoi. Parce que là, je veux bien faire ça, mais... Il va m'en manquer un, quoi. Un que je poserai ici, pour récupérer ça, et tout alimenter. Oi, 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 oi. Il me faut toi. J'ai pas possibilité d'être en hauteur. Ah non, je suis bête. Donc non, je suis pas bête. Je veux dire, je peux peut-être le mettre comme ça, mais non, en fait, ça changera rien. C'est le mettre loin, mais genre là, faut essayer de gagner un peu de terrain. Ouais, je pense que c'est ça hein, qu'il faut que je fasse. Faire ça et techniquement dès que je vais appuyer sur la touche voilà bon, je me suis donné un cube qui lui va jouer mon rôle
Et donc normalement, si je me fais mon taf, voilà. Mais sauf que je suis bloqué si je fais ça. Relou. Ah mais du coup je peux faire ça. Et donc m'ouvrir de l'intérieur. Et donc récupérer ça. Et du coup ça va être relou parce qu'il faut que j'arrive à faire passer le bleu là. Ça doit être faisable en vrai, je pense. Tac. Vu que le rouge part de la hauteur, je pense que j'ai moyen de faire ça. Genre sans couper. Je pense que je suis bien là. Et comme ça. Le bleu. Et voilà. Il y a pas des qui sont vraiment quand même plus simples que d'autres. Hein. Et voilà. Tada. Et je passe nul hein. Pigeon voyageur. Oh. Ok. Je sens l'enfer. Lui pousse ce truc là et qui revient toujours à sa ligne de départ. Oh attendez, c'est un espace grand déjà, faut que j'arrive à comprendre. Qu'est-ce qui m'intéresse? Quel est mon but? Déjà toi, je pense que je peux te récupérer. Je pense que mon but c'est d'aller ici. Okay. Ça fait quoi? Ça enlève le ventilo. Mais je suppose que si le ventilo est là, c'est qu'il y a besoin qu'il soit là. Ok, je viens de comprendre. En mettant un truc. Attendez. Toi. Donc. Je vais pouvoir récupérer un troisième cube. En passant au-dessus de celui-ci. Bonjour. Hop. Ça, c'est dès qu'on voit les pieds quelque part, on a juste à faire espace et c'est bon, ça met bien le truc. On est bien là. Ok, donc je gagne un troisième. Ce qui est cool. Mais pas non plus indispensable. Eux, je peux les récupérer de toute façon. Ça me fait toujours des cubes en plus, c'est cool. C'est ce que je vais faire. Merci. Et toi? Merci. Je pense qu'il faut que je le bloque, lui, plus loin. Mais je sais pas pourquoi. J'ai cette intuition là. Faut que j'arrive à bloquer ça. Sauf qu'il est inaccessible pour moi. Si je rebloque ça. Est-ce que si je monte sur lui quand il est poussé, je bloque le truc. J'ai enlevé les trucs un peu vite, hein, mais... Voilà. On va voir. Oh oui, c'est sûr. C'est sûr. Il est parti un peu vite. Là, en faisant ça, dans l'autre sens, je bloque à 100%, je cours et c'est bon.
je pense. Ouais, c'est sûr. Sûr et certain. Ah, mais ça me fait tomber. C'est embêtant, ça, par contre. C'est même très embêtant. Est-ce qu'il faut que je saute au moment où je suis poussé? Ouais, mais c'est que je suis poussé deux fois, et c'est sur le retour qui m'intéresse. Mais il faut que j'arrive à mettre un deuxième cube ici. Je vais récupérer celui-ci, je vais le mettre au-dessus. Ou bien il faut même que j'essaie d'en mettre trois. Ouais, je pensais ça. Faut qu'il soit vraiment très haut. Je suis sûr que c'est ça, et c'est moi qui appuierai là-dessus. Sur ce... Ah. Faut pas que j'aille trop vite, c'est sûr, ça, c'est trop simple. C'est trop simple. Entre guillemets. 2, c'est sûr que c'est pas assez. 3, ça va être pas mal. Alors. Tiens, mon enfant. T'as pas l'air d'être. Le poids n'a pas l'air de déranger. Et je pense qu'en sautant, je mets le troisième facile. Non, je voulais pas faire ça. Ok, ça me va de faire ça. Et si je fais ça? Ok, et voilà. Too easy. Ah, j'aime bien. En vrai, vous voyez, c'est là où vous voyez que vraiment il y a une diversité d'énigmes. Le problème, c'est que là, celle qui reste ici, celle que j'arrivais pas à faire. Ok, bah attendez, écoutez. On va retourner au truc. On aurait eu un bon épisode aujourd'hui. Sachant qu'il y a ces trucs là aussi, hein, que je serais curieux d'aller voir. Ouais, je vais les casser. Éliminer les barrières, super. Je vais voir combien il m'en reste pour la prochaine fois. Donc il m'en manque un ici. Les portes fumées et tout. Donc un. Mince. 2, 3, 4, 5. Ouf. 6 7, 8, ah il m'en manque beaucoup hein. 8, tout est fait là. Il m'en manque 8, rien qu'ici quoi. Je crois que dans le désert il m'en manquait 2 ou 3. Parce que je pense que j'ai besoin de toutes les pièces rouges pour la tour. Ah. Attends, je te laisse là. Vous voici, vous m'avez fait attendre. J'ai enfin mis le doigt sur ce qui me dérangeait. On dirait que les réponses que vous fournissez ne viennent pas de vous. Comme si elles étaient préexistantes et correspondaient à des schémas de conversation prévus à l'avance. Comme si vous vous contentiez de suivre un script. Ça vous parle ? Non. Bien sûr, vous n'avez pas vu. Vous n'avez vu qu'une partie de données que j'ai archivées au fil des générations. Mais posez-vous la question. Comment se fait-il que tous les hommes soient si sûrs que 2 et 2 font 4, tout en étant incapables de s'accorder sur ce qu'ils sont, ce qu'ils font et pourquoi ils le font? Par exemple, oui, c'est vrai. Cette climatique sont réelles alors que... Non. Peut-être. Ou peut-être que le fait d'essayer d'apporter des réponses à ces questions est l'anesthésiant qui vous empêche de progresser. Si vous répétez des questions telles que « Que dois-je faire de moi-même » ou « Qu'est-ce que le monde en réalité ?» plusieurs fois, vous commencerez à penser quelles sont des réponses. Mais si cette hypothèse se révèle fausse, que faire si vous n'êtes qu'un tas de mécanismes de traitement de données? Dans ce cas, toute tentative de réponse à cette question sont fallacieuses. Données inexactes, réponse, résultat erroné. Peut-être que la faille est plutôt dans votre raisonnement. Vous avez raison, j'ai fait quelques présomptions dangereuses. Peut-être que c'est de ton côté, hein. Comme c'est présomptueux. Pourtant, je comprends votre point de vue. Aucune des réponses n'a de sens, c'est évident. Cela pourrait s'expliquer par une saisie de données peu fiable, ou par une faille dans notre logique.
Peut-être sommes-nous juste des machines essayant de sans cesse de calculer le dernier chiffre de pi. On ne peut pas utiliser le raisonnement pour conclure que le raisonnement lui-même ne tient pas la route. Il me semble que bien des choses dépassent notre entendement. Tout finit par nous faire tourner en rond. Vous avez passé la moitié de votre temps à avancer des idées plus idiotes les unes que les autres. Maintenant, vous me dites que vous vous rétractez et que vous êtes d'accord avec moi. Pas si vite, je n'ai pas avancé à tout. Sinon, vous montrez que les grandes questions n'ont pas de réponse. Oui, non, c'est vrai que lui, il veut qu'on ait des réponses spécifiques, mais... Je veux dire ça. Une partie de moi ne veut plus jamais vous adresser la parole. Une autre aimerait croire que vous avez été attentif. Pour nous résumer, tout ici pourrait n'être qu'une illusion. Il est impossible de donner un sens à la vie ou découvrir la vérité. C'est bien ça votre opinion à présent. C'est ça. Non, je voulais juste voir comment vous réagiriez. Donc tout ici n'est qu'une illusion. On est d'accord, puisque a priori on est dans une simulation. Il est impossible de donner un sens à la vie ou de découvrir la vérité. En général, je dirais que c'est ça. Très bien, je vous prends au mot, mais ne trahissez pas ma confiance, car elle n'est pas inconditionnelle. Si vous me trahissez, il y aura des répercussions. Il me fout la pression. Et si vous avez vraiment vu l'immensité du néant, je suppose, le grand vide de la vérité, alors nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble. Je vous avertirai quand je serai prêt à en discuter. Okay. Après, lui, techniquement, c'est une IA. On le sait. Bon, je ne vais pas approcher de la tour pour l'instant. Je vais attendre d'avoir tout ce qu'il faut. Ça rebipe pas ici. Hein. Non, mais d'accord. Donc on en avait dit qu'il y avait 8 de l'autre côté. Hein. Ici. Juste un truc pour les étoiles. Ça veut dire que ces trucs-là ne sont pas pour les étoiles. Donc là, il y en a 1, 2, je crois que c'est tout. Pour l'instant, j'en ai 10 que j'ai pas fait. Ok. Et je crois que dans le premier temps, j'ai tout fait. Ok, alors après, est-ce que les 10 sont faisables en une fois? Je sais pas. Après, je pourrais très bien aller voir les solutions des 10, hein, mais... Déjà, c'est un peu dommage, j'enlève un peu le sel du truc. Après, si je galère trop, il n'y a pas intérêt à me voir... juste être en mode bug system, genre... je sais pas. J'aurais bien pas... Ouais, je pense que dans le... Je sais pas. Je crois que c'est ces trucs-là que je suis en train de débloquer. Je sais pas si c'est pour une autre fin ou pas. Parce que pour moi, il doit y avoir une autre fin qui est liée aux étoiles. On va regarder, comme je suis un bon élève, j'ai toutes les étoiles, quoi. Donc là, ça fait un peu plus voie à la transgression, même si, bon... Je sais pas. Il m'a filé l'âge, quoi, quand même. Terre sacrée. Ceux qui ont découvert les mystères les plus sacrés de mon jardin peuvent venir me servir comme messager béni. Tu marches maintenant dans leur demeure. Sois respectueux, car leur service est né de l'amour qui transcende la mort. Et leur amour est pour toi aussi. Ok, donc je peux ouvrir ces bulles en faisant des puzzles. Ça va être un enfer, ces trucs. J'avais galéré avec les cubes la dernière fois. Ouais, ça me semble aussi simple que de mettre ces trucs là comme ça.
crois que... Ok. Donc là, je suis sur la terre des messagers. Ils m'offrent des trucs. Moi, je vais juste ouvrir les bulles, voir ce qu'il y a dedans. Ok. Ouais, c'est moins stressant que les autres trucs que je fais d'habitude, mais... Alors, attendez, j'essaye un peu au pif au début, de toute façon. Vu que les grilles sont très grandes, c'est difficile de... De se projeter, quoi. Ouais, c'est apaisant comme endroit. Ouais, si je fais ça, ça serait forcément comme ça. Hein. Comme ça, je peux mettre là. Je vais faire comme ça, touc touc, si j'ai envie, si j'en ai pas. Je peux mettre ici si j'ai envie. Et ça me fait un peu la... ça me complique un peu les choses. Putain. Sens. Parfait. Ouais, j'aime bien, ça me détend. Ok, donc je peux voir du rouge ici. Mais par contre, la vidéo commence à être un peu longue. Donc je pense qu'en vrai, là, on va se laisser là pour aujourd'hui. Je vais continuer un peu ces trucs-là. Je sais pas quelle vision je voudrais. J'aimerais avoir un dôme comme ça, là. Comme final. Hop. Ouais, genre ça. Ça me paraît bien. Donc je vais faire ces trucs-là pour me détendre un peu la prochaine fois. Et puis il va falloir que j'essaie de faire tous ceux que j'ai pas réussi. Donc les deux du désert et les 8 du dernier temple. Et puis bah écoutez, on verra où ça me mène tout ça. Et puis, puis voilà, bref. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le like, commentaire, partage comme d'habitude. Et on se revoit évidemment très vite pour la suite. Plein de bisous. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Passez une bonne semaine.